à tous et à toutes, c'est Fama71 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, non pas sur Cinema 4D, non sur Sony Vegas Pro 10, mais sur Photoshop. Donc je vais vous montrer un peu les bases et je vais vous faire un petit montage sur moi, tout simplement, mais ça ne sera pas ma tête. Donc nouveau, moi je fais en 1280x720. Ça fait comme le 16/9. Donc voilà mon écran, mon image a été créée tout simplement. Donc ici vous avez la barre des calques où là il y a arrière-plan. Donc Photoshop, mince. Photoshop se joue avec les calques. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment ça. Mettre mon verre en bleu en fait, tout simplement. Vous allez tout comprendre. Enfin, vous allez comprendre. Téléchargement. Donc je prends une photo de moi. Par exemple celle-là. Et vous voyez là, mon verre il est transparent. Enfin on voit mon visage. Donc je vais vous montrer comment le teindre en bleu. Donc tout d'abord, il faut créer un nouveau calque. Ensuite, vous prenez... Comment que ça s'appelle ? Bonjour ça. Hein. Vous prenez le pinceau. Vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre bleu. Vous voyez, là. Je vais faire le contour de mon masque. Pour que le vert... soit bleu. Donc je vais agrandir un peu le rayon parce que là ça fait un peu petit. Enfin, pour mieux colorier. Et après ça, on va rien faire vu que le tuto il est fini. Non je rigole. Petite blague lunette au passage. Une fois que vous avez fait la partie que vous voulez mettre en bleu, bah tout d'abord je vais remettre. Non rien. Donc ici vous allez mettre incrustation. Et comme vous pouvez le constater, le vert il est bleu et on voit mon visage derrière. Et je trouve que ça rend super bien. Enfin il est peut-être un peu trop bleu. Non pas éclaircir. C'est quoi déjà? Là. Non. Ah je sais plus. Si incrustation c'est bien. Vous voyez mon verre il est bleu. Je trouve que ça rend pas mal. Donc ici j'ai déjà fait un montage. Là vous voyez mon verre il est bleu, c'est pareil. Je trouve ça bien. Donc je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Si, à part les speedars qui se font sur Photoshop, dites-moi si vous voulez des tutos sur Photoshop. Je pourrais vous montrer comment faire. Par exemple, on va prendre un outil dégradé. Là, comme ça. Ensuite, vous prenez votre texte. Bon. Un texte qui ne va pas avec la couleur, mais c'est pas grave. Si ça va. Vous voyez, ensuite les speedars se font là-dessus. Oui. Ah. Bug. Bon bah, j'en ai fini pour ce tuto. J'espère que vous avez aimé, même si ça n'a pas servi à grand-chose. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus et puis à la prochaine. N'oubliez pas de commenter, de laisser des commentaires pour savoir si je que faire comme tutoriel sur Cinema 4D, Vegas ou Photoshop, peu importe. Bon allez, salut les gens. Ciao ciao.